D'habitude le dernier round. Oh putain, il le carotte là, à coup de TP. Donc je disais oui, le dernier round généralement Algol il se retrouve avec 2 barres et il peut mettre sa super niveau 2 qui fait à peu près au bas mot 3 quarts de vie et c'est pas ça de bon combo. L'anglais qui a réussi à remporter ce match, il élimine Sakon qui est vénère. On l'entend gueuler, j'ai fait de la merde. Ouais, alors en même temps il avait un guard break à faire et il n'a pas réussi. Au moins c'est bien, il le réalise et il accepte. Attends, tu vois. Le format du team, c'est que chacun affronte l'autre. En fait c'est 1, 3, 2, 4, c'est ça. Ah, tu me demandes si c'est ça? Ouais, je te demande. Rien, je peux juste dire moi, parce que je vais pas... Le format c'est pas ça. Vargas qui est parti se renseigner, mais bon, a priori. Et pendant ça, là, sur le stream 1, il y a Lord DVD qui s'est fait atomiser par un fuerté, le L fuerté de Cuisto, Rage Cuisto de la Team Rage. C'était assez violent. Et là, je pense pendant ce temps-là, ils ont tout de suite commencé. Ils n'ont pas attendu. Non, c'est le bouton de check, c'est bon. L'honneur est sauf, ils t'ont attendu, Vargas. Ah, c'est sympa. Ah, bah, quand même. Quand même, quand même. Alors, et Dampierre, il est toujours interdit? Ouais, malheureusement. C'est mon perso, Dampierre. Ah, merde. Oh, il est marrant à jouer, bien que pas mal aléatoire. Allez, c'est parti. Happy qui n'a pas le droit à l'erreur. Ça poque, ça poque. Ça se fait sous la chope, punition bébé. Enfin, ça va, pour l'instant Happy il trouve ses petites ouvertures de garde. On peut se baisser là-dessus. Ouais, c'est difficile de le voir quand même surtout hein, le FC1 kick. La chope qui ramène un petit peu les dégâts, mais ah mais il gratte ce Happy, il gratte. Un petit papon qui passe dans la garde, ça c'est un bon starter. 6B pareil, en fait il cherche à se tuer là. Voilà, ils se décident enfin à poker, ça poke, ça poke, ça poke. Happy devrait camper. Happy devrait camper, non il veut pas camper. L'anglais qui bourre la garde et qui tue au pixel de poil de cul de vie. Mm-hmm. 6-6, ah qui touche counter. Ah oui, ça punit le step, chope de dos, ça fait bien mal. En wake up game, il a tenté un truc foireux, c'est pas passé. Anti-step, ah, shop. Pour l'instant Happy qui a pas de shop hein. Bon bah on va lui souhaiter de trouver ça dans les rounds suivants quand même. Le bas point qui touche et derrière. Je sais pas s'il y a eu un double impact qui a fait foirer son combo, mais en tout cas il a pas rentabilisé. Par contre ce 3B 6 kick kick, c'était bon pour remporter ce round, un round partout. Happy qui doit à tout prix battre l'anglais. Je se garde sur le premier A, le deuxième non counter, il a essayé de punir trop tôt. Punition, bien joué, un kick à la relevée, le pif qui prend. Et normalement avec la technique des japonais ultime de la World Game Cup 2012, il aurait pu pendant le flash faire une manipulation qui pouvait reset son déplacement. En gros là, Happy a placé sa CE en pif lorsque l'anglais est en train de backdash. Ce qui fait que normalement au moment du freeze c'était dans le backdash, tu prends la super. Là, avec la manipulation que le japonais avait trouvée, ça resetait un peu ton déplacement et tu pouvais mettre la garde. Donc apparemment l'anglais ne sait pas faire ça. La première balle de match pour l'anglais. Ah, Happy qui rate son combo, il fait un petit man game piffé. C'est eux. Est-ce que ça ring out? Est-ce que ça ring out? Est-ce que ça ring out? Ça ring out. Et de toute façon, il serait mal barré avec... un pixel de vie. Donc bon bah c'est Fanny, bien joué, la UK Team qui s'impose. Bien joué à la Happy New Year.